Les autorités américaines ont donné le feu vert à la plus grosse acquisition d'une société étrangère par un groupe chinois. L'entreprise publique chinoise ChemChina a donc franchi une étape supplémentaire vers l'acquisition du géant suisse de la chimie agricole, Syngenta, pour plus de 43 milliards de dollars. La société suisse demande dans cette vidéo institutionnelle comment nourrir 8 milliards d'habitants en 2030. Et alors que la Chine recherche une plus grande sécurité alimentaire, des technologies agricoles, les cultures résistantes aux maladies et la productivité seront essentielles. Le président du géant suisse a déclaré que l'accord de 43 milliards de dollars permettra à la société de satisfaire la demande future. Cette transaction va améliorer notre capacité à continuer à investir dans l'avenir, à investir dans l'innovation et aller sur les marchés avec des technologies qui changent les choses. Le fait que les autorités américaines considèrent qu'aucun obstacle de sécurité nationale n'empêche cet accord signifie que l'acquisition pourrait être comme prévu complétée d'ici la fin de l'année. ChemChina a indiqué qu'elle conserverait la direction actuellement en place. Syngenta, qui a été créé en 2000 à partir des divisions agricoles de AstraZeneca et de Novartis, a réalisé un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars en 2015. Elle emploie 28 000 personnes dans 90 pays. Le groupe est un gros concurrent du géant des semences Monsanto, qui avait cherché à le racheter. Ses autres concurrents sont Dow Chemical et DuPont, deux géants américains sur le point de fusionner.